Ça nous permet non seulement d'éviter tout ce qui est absentéisme, parce qu'on en avait, c'est mon expression, ras-le-bol, des gens qui ne perdent pas leur pause à 22 heures. On oblige le gars qui a déjà fait 8 heures à continuer le temps de trouver quelqu'un d'autre. On n'a plus d'absentéisme. Et on peut travailler le week-end au même coût, ce qui veut dire qu'on a augmenté notre capacité de production d'à peu près 40%. Tout ça pour un robot reconditionné de l'automobile. Un robot nous coûte 80 000 euros, un homme nous en coûte 40. Il y en a trois, puisqu'on travaille en 24 heures sur 24. Donc ce sont des robots qui sont amortis en moins d'un an. Mais par contre, il a fallu toute la conception, ça a pris un certain temps. Ça, c'était deux actions anti-crise. La troisième, c'est un projet auquel on pensait depuis longtemps. Le gros du marché de la palette, grosso modo, la palette se segmente en trois parties. Vous avez 40 à 45 % ce qu'on appelle la palette perdue, la palette échange. 40 à 45 % la palette locative, qui est louée et qui fait l'objet d'un service logistique. C'est notamment le cas dans la grande distribution, en grande partie. Ces deux segments, donc 85-90 % du marché de la palette, c'était le bois à 100 %. Et nous étions uniquement dans la palette vendue à des clients qui, en général, puisqu'ils payaient les palettes plus chères, devaient les utiliser en pool palette fermée. Donc notre segment était assez réduit. Donc on a décidé de s'attaquer, et on va commencer, on a le premier contrat, à la logistique palette. Et donc là, le challenge, ben, il est très simple à exprimer, on verra après. Ça consiste à remplacer une palette bon marché par une palette probablement trois fois plus chère, mais à durée de vie beaucoup plus longue et munie de la technologie RFID. Donc on va mettre à la disposition de la grande distribution une technologie qui va leur permettre de s'intégrer dans leur supply chain, dans tout leur système d'information. Une palette passera. Il faut dire que le challenge, il est intéressant. Pourquoi? Si sur un mouvement de palette qui part de l'usine, Nestlé, Danone, Mars, qui part de l'usine vers le centre de distribution d'une chaîne de distribution, éclatée vers les magasins, retour usine, la palette bois, 25 à 30 % des palettes cassent. Alors certaines sont réparables, d'autres pas. Nous avons des palettes qui ne casseront pas. On a fait tous les tests, on a fait des tests chez Leclerc, chez Auchan, toute l'année dernière, chez Carrefour, chez des fournisseurs, chez Alto, chez Beuralia, je pourrais en citer. On a fait des tests partout. On a mis la palette au point en trois étapes. La palette est sortie en février. On a les premiers contrats. On démarre la production dans un mois. Et donc, voilà, c'est le challenge. On a recruté une équipe déjà de trois personnes. Le directeur général est un ancien directeur opérationnel du numéro 2 européen de la palette. Son adjoint vient du numéro 1 européen, Shep. Ce sont des gens qui croient dans la supériorité de notre business model palette plastique sur le business model palette bois. On a trouvé des investisseurs, comme nous sommes cotés au marché libre, ça va faire l'objet d'un placement. On va lever 4,5 millions d'euros. En fait, on en a déjà plus. On va garder une tranche de 500 000 pour le marché, pour respecter les actionnaires actuels, mais les actionnaires sont trouvés. Et ce projet va mobiliser à peu près 16 millions d'euros sur 4 ans si tout va bien. Voilà, donc ça c'est pour l'avenir, pour Eriplast. Et forcément, pour développer cette nouvelle activité, là on a recruté des commerciaux. Donc on a maintenant une équipe avec un gars qui est super au niveau technique, mais qui est un repoussoir commercial, avec une équipe dont j'espère qu'elle fera ses preuves au niveau commercial. Et en tout cas, ceux qui ont décidé de nous accompagner dans la levée de capitaux, les investisseurs, qui sont de très bons investisseurs, sont convaincus également. Donc, on va voir. C'est le projet Pick and Go. La société est créée à Toulouse depuis le mois dernier et nos gars sont sur le terrain, en particulier dans le groupe Leclerc, puisque le nom y est. On est en train de préparer toute une opération avec le groupe Leclerc. Voilà, toutes les données sont réunies maintenant pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ce sera d'une autre façon une rupture technologique, puisqu'on va mettre là la technologie de traçabilité à la portée des grandes chaînes de distribution. Toutes y travaillaient depuis des années. Aux États-Unis, Walmart s'y est lancé. En Europe, personne ne s'y est encore lancé. Leclerc est intéressé, Carrefour est intéressé. On verra. L'avenir nous dira si.
on a bien joué. Nanocine, autre expérience. Alors là, ce n'est plus une reprise en faillite, c'est une constitution. Pour raconter le roman feuilleton, j'ai rencontré un professeur tournesol, à peu près ça, le professeur Bénagie, qui était absolument charmant, mais pas moyen de passer une heure avec lui de façon sérieuse, parce qu'il raconte des blagues tout le temps. Et il avait en laboratoire, sur une table qui fait à peu près ceci, conçu un petit réacteur qui lui permettait de fabriquer des nanotubes. Alors, je dois quand même d'abord un peu vous expliquer peut-être ce que sont les nanotubes de carbone. Donc, on est dans les nanotechnologies. Alors, tout le monde est familiarisé avec les biotechnologies. Bien, les nanotechnologies, c'est la même chose. Sauf qu'en biotechnologie, vous travaillez au niveau de la chaîne moléculaire pour améliorer les propriétés des corps vivants, des systèmes vivants. Nous travaillons à l'échelle nanométrique, un milliardième de mètre. Donc, on est aux confins de la chimie et de la physique. Et on travaille au niveau, non pas de la chaîne génétique, mais de la chaîne moléculaire pour modifier les propriétés des matériaux. Plus particulièrement, nous travaillons le carbone. Alors, le carbone est à peu près présent dans la plupart des corps connus. Théoriquement, nous sommes susceptibles, potentiellement, d'améliorer les propriétés de 60% des matériaux connus. Donc, l'aluminium, l'acier, le cuivre, les polymères, les encres, les peintures. Donc, c'est pour dire que les marchés auxquels nous nous attaquons sont colossaux. Alors, maintenant, on va revenir un peu à la réalité. Nous fabriquons des nanotubes de carbone qui ont des propriétés fabuleuses. Les propriétés, ils sont extrêmement résistants. C'est nettement plus résistant que l'acier. C'est nettement plus conducteur électrique que le cuivre. C'est nettement plus conducteur thermique que le diamant. C'est neutre biologiquement. Et en introduisant, c'est là que les affaires se corsent, parce que c'est facile d'en parler, mais pour le faire, c'est autre chose. En introduisant de 1 à 3% de nanotubes dans un autre matériau, vous pouvez lui conférer, alors je vais dire à la carte, mais c'est loin d'être facile, mais ça fonctionne et ça démarre sur le plan industriel. Vous pouvez conférer des propriétés de résistance mécanique, de conductivité, de dissipation de la chaleur et autres. Donc nous sommes dans l'économie de matériaux, parce que si vous réussissez à rendre un matériau plus résistant, vous pouvez en mettre moins. Donc vous êtes dans l'économie de poids et d'énergie. Comme on est dans la conductivité électrique, comme on améliore les propriétés de conductibilité électrique, nous avons de l'aluminium qui est maintenant plus conducteur que le cuivre, aluminium chargé de nanotubes, de l'aluminium qui est plus résistant que l'acier. Nous avons la possibilité de dissiper la chaleur beaucoup plus rapidement qu'on le fait. Donc ce sont les propriétés anti-feu. Quand vous dissipez la chaleur, elle ne se concentre pas. Donc, et là, dans ce cas-là, nous avons un projet, par exemple, de remplacement de produits toxiques qui sont anti-feu par des nanotubes de carbone qui ne sont pas toxiques. Donc nous sommes aussi là dans l'écologie. Les nanotechnologies, depuis les biotech et les OGM, traînent vaguement une image de marque non écologique. C'est exactement le contraire. Nous sommes dans toute une série de créneaux green. Alors, la compétition. Quand on a démarré, je dirais que mon rôle, comme j'ai aussi fait l'ICHEC et l'ULB, mes connaissances techniques, j'ai essayé de comprendre. Après un certain temps, j'ai compris ce que le professeur Bénagie voulait m'expliquer. Mon rôle a surtout été de composer une équipe et comme j'avais l'expérience de canard boiteux, ben j'ai fait la même chose tout simplement. J'ai essayé d'identifier les compétences dont nous avions besoin pour réussir un projet extrêmement ambitieux. Il faut vous dire qu'à la même époque aux États-Unis, les Américains avaient mis 100 millions de dollars sur la tête, si je puis dire, de Richard Smalley qui était prix Nobel de physique et ils ont créé une boîte qui s'appelle CNI, qui n'existe plus maintenant. Nous avons démarré à la même époque avec 1 million d'euros. On existe toujours et on est leader mondial. Mais l'équipe, dès le départ, a été une équipe fabuleuse. C'est vraiment une équipe parce qu'on s'entend vraiment très bien. C'est devenu une bande de copains. On s'amuse très bien. Et là-dedans, il y avait, je vais citer les noms, tu as cité les noms, il y avait Jean-Stéphane, le patron de GSK, qui, franchement, ce sont des gens que je connaissais, mais il m'intéressait d'abord pour ses qualités humaines. Parce que travailler avec des chercheurs, si vous amenez quelqu'un d'un, on en a maintenant, hein, on a la CNP, on a Bois Sauvage, on a la SRI, mais si vous amenez un pur financier face à un chercheur comme Jean-Dos Benagy, vous inquiétez pas, ça va pas marcher. Donc il fallait des gens qui avaient les qualités humaines, Jean-Stéphane est idéal pour ça, et surtout c'était sa compétence en stratégie IP, propriété intellectuelle. Donc, nous avons maintenant 35 à 40 brevets. Il faut dire que la bagarre pour la propriété intellectuelle dans le secteur, elle est mondiale.
On avait dans les 5 sur les 7 que j'ai contactés, 5 ont accepté.